Alban, 10 ans après, donc la Coupe des Régions reprend pour la première sélection des Pays de la Loire. Quel souvenir toi tu gardes de cette épopée victorieuse? Plein de bons souvenirs. Plein de bons souvenirs surtout parce qu'on avait gagné et on avait été champion de France. Aussi évidemment parce que ça nous avait permis de faire un petit voyage d'une semaine à La Réunion pour faire un match amical contre la sélection de La Réunion. On avait passé une semaine exceptionnelle et avec un groupe aussi qui était très bien en dehors du terrain aussi et qui était de qualité sur le terrain. Des bons souvenirs, des bons moments. Mieux que 3 ans avant où on n'avait pas été très loin dans le parcours. Mais évidemment, c'est il y a 10 ans déjà effectivement, mais non, plein de bons souvenirs et avec plaisir revoir chaque fois les joueurs avec qui j'ai partagé ce moment là-bas. Justement, tu viens de recroiser Nicolas Moratti qui était de l'épopée et qui est encore dans la sélection de Ligue cette année. Oui, encore à force d'être de faire ça, c'est bien. Moi. Au contraire, c'est qu'il dure dans le temps en étant un gardien de qualité, donc c'est bien pour lui. Je leur souhaite de faire le même parcours. C'est toujours agréable de croiser les joueurs qui sont en dehors du club, avec qui on a partagé de bons moments, parce qu'on a aussi un rôle commun, c'est de jouer au foot et de partager des bons moments à travers ce sport. Si tu avais un mot justement à leur donner sur cette compétition qui n'est pas très connue mais finalement qui peut générer des super, super histoires, super aventures. C'est leur souhaiter bonne chance et puis essayer de trouver à travers ces laps de temps assez courts de trouver un groupe et surtout de trouver une osmose qui permette de venir en sélection avec l'envie d'y aller et l'envie de partager des bons moments.